Bonjour la famille. Nana Ketchup. Batu oyo baza ko lobela makambo ya infidélité, makambo ya mwasi moins sérieuse à l'égard de Nicki Minaj, la mère qui a donné à Fally Ipupa la valeur. Ngamu tuna bandaki makambo ya zongisa mukanda sokoza vraiment na kanda. Zanga, bato bele ba zuzu yango mengam tuna bandaki makambo wana. Fally, c'est moi. Ni, Nana Ketchup, c'est moi qui a commencé. C'est moi qui ai commencé, donc j'assume. Ngamu tuna bandaki. J'ai dit si Fally za na kanda, zongisa mukanda. Wande to kondi mae. Mais alors, vidéo o yza po na ko pese la pe ba réalité, ba vérité côté Nana Ketchup. Mais, bon, bon supporter chaîne, bon supporter vidéo, bon tia ba like, bon tia ba j'aime. Bon commenter ce commentaire et ça bon pesa vidéo oyo nini force et que ne le bosso ceux qui dans nos abonnés place na oyango alors to démarrer vidéo n'engez à la toujours maboko nan andimi que Nicki Minaj aza parfaitité, c'est une créature de Dieu qui a ses faiblesses, mais une chose est vraie, Nicki Minaj c'est une femme très brillante, très belle, trop rayonnante, elle est attractive, je sais pas, très jolie. C'est une femme vraiment, quand elle parle, vous sentez vraiment une personne intelligente. C'est dire, ce que j'écoute sur les réseaux sociaux, ce que je vois, la façon dont elle a protégé l'image de Fally Ipupa, c'était exceptionnel. Malgré la guerre qui s'est vue entre ces deux personnes, mais elle a toujours été là pour protéger les noms de l'artiste. Ce qui est contraire de Fally Ipupa. Alors, quand on voit Nana Ketchup, sa vie n'est pas une vie glorieuse. Elle n'a pas une vie joyeuse. C'est une femme aussi qui traverse une vie malheureuse jusqu'aujourd'hui. Même si vous la voyez avec des photos, des choses là, c'est une femme qui traverse une vie malheureuse, moi je vous parle. Allez, retournons dans les anciens temps, avant qu'elle soit la concubine à Fally Ipupa. La femme ici que vous dites qu'elle est c'est la plus parfaite de toutes les femmes parfaites du monde, je pense que vous vous trompez beaucoup, puisque c'est une femme qui n'a pas grandi dans l'amour paternel, elle n'a pas grandi dans l'amour fraternel, parentel, elle n'a pas eu ça. Elle a passé presque sa jeunesse, son adolescence dans une vie de la rue. Une vie de la rue, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux. Sarah Tola l'a dit, beaucoup de femmes l'ont dit, alors moi je relate ce que j'ai dit pour un peu adoucir les gens qui sont en train d'insulter Nicki Minaj. Il faut que je dise, je vous relate des vérités, des défenses. Comme elle a grandi dans la rue, peu de moyens qu'elle avait dans les temps, elle a passé dans les boulevards et n'a pas été vraiment une femme modèle, quoi. Elle n'est pas une femme modèle à la jeunesse d'aujourd'hui. Non, elle n'est pas. Elle n'est pas modèle aux femmes de la nouvelle génération. Elle n'est pas. Mais je suis surpris que quand vous êtes dans les réseaux sociaux, on dit figure publique. Et je me pose la question, qu'est-ce que signifie figure publique? En tout cas, c'est point d'interrogation, question mark, as we said in English. Koko Lanaye a joué pe chance ya kokota libala malgré qu'elle fréquentait Fally, mais elle avait laissé, elle avait abandonné Fally pendant que Fally se battait pour devenir une personnalité africaine. Elle avait abandonné Fally pour un blanc, comme chez nous en Afrique. Ce que moni mundele, donc c'est comme si ozi bomengo, ce que moni mundele ozi vi. Nana Ketchup s'est jeté dans les bras, pardon, des vieux Allemands, où elle a passé certains moments. Quand elle a vu que Fally Ipupa a percé, les gars ont percé, maintenant il y a le bas qui n'a pas été coupé. Vous voyez, Binzembo, on dit premier gars n'est pas gars. C'est ce que
Nana Ketchup a fait à Fally. Quand il a vu Fally, un gaou qui a percé, maintenant, il a dit, ok, moi, je vais venir le couper. C'est ce qui s'est passé dans la vie. Elle a tout fait pour gâcher, pour déstabiliser le foyer de Nicky Menga. Nicky Menga qui commençait à peine à construire son foyer, à se débattre pour protéger l'homme. Elle a fait tout pour donner l'image de Fally. Elle a créé Fally à son image, à lui donner des enfants, à lui donner des papiers de séjour en Europe. Oui. C'est Nicky Menga qui a créé Fally Ipupa à l'européenne. C'est Nicky Menga qui a façonné Fally Ipupa à l'européenne. Même les chansons que vous aviez écoutées, que Fally est en train de chanter, que c'est Nana Ketchup qui lui a fait perdre des enfants, il a menti. C'est ce que j'ai toujours dit. La vie de Fally est montée de mensonges. Si vous écoutez beaucoup d'interviews chez Nati Lokolé, même l'interview qu'il a dernièrement fait, il reconnaît Kenai Poupa comme sa première fille. Mais malheureusement, il s'est contredit dans des chansons que c'est l'autre là qui est le premier. Il s'est contredit dans beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, Fally, ce n'est pas un homme de parole. C'est un homme qui ment, qui trouble l'opinion publique. Nana Ketchup qu'on connaît, comme Fally n'a pas grandi dans l'amour, il n'a pas grandi avec affection des parents, il n'est pas capable lui-même de gérer un foyer. Il n'est pas capable de donner l'affection, l'amour à une femme. C'est impossible pour lui puisque lui-même n'a pas réussi l'amour. Selon ce que je vois, il n'a pas réussi l'amour. Maintenant, il n'a rien à donner parce qu'il n'a pas réussi, puisque on donne ce qu'on a. Lui n'a pas l'amour, il n'a pas réussi l'amour. Il n'a rien à donner en retour. Yango Boza Komona, Nana Ketchup, à chaque fois, elle prend des photos, elle veut vraiment cadrer Fally dans des photos, mais Fally n'a jamais été intéressé. Yango Kangaba photo Nana Ketchup. Nana Ketchup va prendre des vidéos, mais vous allez voir l'indifférence de Fally vis-à-vis de Nana Ketchup. Ba vérité obino bolingaka boyoka ba bozo akango na ba place ya banalize ya solo le ba tulokola ba Marie Laure ba soki ba grâce mbizi ba ba twana nyoso bazaya lok parce que ba mama baza ko vivre sima ya Nana Ketchup nanu ba mama oyo na age na bino boleki mwana wana na age boleki Nana Ketchup na age mais boza ko se comporter comme des petits travailleurs ya mama ya mutuana. Grâce Mbizi, osala vikala na poto. Mais elekela kanga komona ke Grâce Mbizi amizu kitisa na niveau ya kokoma mukala ya soki Nana Ketchup. Inconcevable. Inconcevable. Botala ba oba zaiko excelle na métier ya oya ba YouTube kala. Ba Grâce Mbizi, puisque elle a vraiment fait sauter avec Congo Elengi. On voit Nani oyu, Karine Mokonzi. Lelo baza ba mida la taylo. Bango baza wa pilelo. Bota la bango, baza la ka isusu penzate. Parce que les gens ont compris que baza ba presque ba inutile na communauté. Ce sont des personnes qui ne sont pas à suivre. Ba tuwana baza wana pona ko détruire jeunesse. Baza wana pona ba délire. Puisque ce sont des personnes qui ont tout fait dans la vie. Elles ont couché avec toutes sortes de d'hommes. Bota la pe Nana Ketchup oyo Nana Ketchup so Fally za la kananda kute donc c'est lobino ya za la kana sentiment te ya za la kana ba feeling te erbo mona ka toujours na Fally ataza nanda kute boko mona Nana Ketchup azoke na ba fete azako bina binana mibali pona ye bozo mona ngo normal soke za la ki niki ndebo lobby deja ndebo sali ba monsieur ebele ebele mais Nana Ketchup azako parvenir kotambola kolata bilatela. Une femme, soit disant femme yamoutou, ou aza ko se prône ki aza nani bantou. Bo, bino batu boyebi, Nana Ketchup ete, Nana Ketchup, vous qui ne la connaissez pas, c'est une femme, so avant, elle n'a jamais été comme elle est aujourd'hui. Elle n'a jamais eu de grosses lèvres, elle n'a jamais eu de nez qui est comme ça là, elle n'a jamais eu de seins qui sont grosses. Toutes ces choses-là sont plastifiées. Elle a plastifié son corps juste pour paraître belle au public.
Elle est partie à Turquie, je pense, pour faire des transplants des seins, des joues, je sais pas, des lèvres. Elle a modifié son corps juste pour paraître belle. Ça, c'est elle. Mais si toutes ces choses-là, c'est. Et baby, si ma gamine a expiré, si ça expire, vous allez voir, vous allez retrouver son vrai visage. Un visage qui n'est pas vraiment un visage de femme. C'est comme un visage d'homme. C'est comme un Nana Boudouga. Ils sont comme ça. Mais Moutouana, Bozako, comme ils sont, on dirait saint, Azalaki déjà, Azalaki Moutou, na balabala, pour vivre vie à balabala. Elle a fait l'infidélité à Fally, se jeter dans les bras d'un Allemand. Depuis qu'elle est là, tout le monde a qu'un ami bali, mibali, basi, na basi, chaque fois, chaque fois. Une femme qui n'a jamais été à côté de son mari. Une femme qui n'a pas l'état de protéger, de garder ses enfants. Elle a toujours un voyage. Fallait a commencé à y être fan, a commencé à y être danseuse. Beaucoup de monde a un podium. Une femme soi-disant mariée. Na ba podium, elle ne comprend même pas qu'elle est une vieille dame, femme de 5 enfants, c'est une femme qui devrait même comprendre que son niveau, malgré les seins qu'elle a plantés, malgré les surgeries, elle n'est pas au niveau où elle est. Si on veut la coter 1 sur 10, moi je ne pense pas qu'elle a, peut-être la 4 sur 10. Si on voulait voir 1 sur 10, combien on peut la donner, moi je la donne 4. Malgré les choses sur son corps, moi je pense qu'elle est 4. Mais quand on va voir Nicki Minaj, qui n'a pas fait de chirurgie, elle est naturellement belle pour elle est 7,5 et 8. Tu vois la différence. Maintenant, la jalousie que Fally a, c'est quand elle voit Nicki Minaj ne s'occupe plus, il s'en fout de Fally, il s'en fout de tout ça. Fally s'enflamme. Quand un homme s'enflamme comme ça, je vous ai toujours dit, Fally est amoureux de Nicki Minaj. On ne peut pas changer ça. Fally était, il est et il restera amoureux de Nicki Minaj. Parce que Nicki Minaj, c'est la femme qui a donné la vraie paix à Fally Poupa. C'est la femme qui a donné du respect à Fally. Regardez le respect entre Nicki Minaj et Nana Ketchup. Nana Ketchup qui se promène presque ni en public. Mais Nicki Minaj, elle s'habille toujours à une dame respectable. C'est ça la différence. Oh, na lobagité. Na koloba. Gilmas toujours partagé. Abonnez-vous. Bye.